Bonjour à tous, on est parti sur une nouvelle vidéo sur Farming Simulator. Donc c'est la map à Cocorico, pardon. Donc c'est la V3, la version finale. J'ai eu des petits soucis avec mon volant. Donc normalement ça fonctionne. Là ce qu'on va faire, là c'est un nous je pense. Non, c'est pas un nous. Ah bah oui, je l'avais fait hors ligne. Celui-là, je l'avais fait hors ligne aussi. Ok. Donc, ce qu'on va faire, on va s'acheter une. Je ne sais pas si ça fonctionne. Comment ça va fonctionner? La vidéo, elle va durer une demi-heure. Hein. Je vous le dis direct. Alors. Donc là. C'est vrai que j'étais embêté à ce moment-là avec mon volant. Ok. Ça fait 3 ou 4 jours que j'avais pas rejoué. Hein, donc. Donc là, on va aller au concessionnaire. On va regarder pour une réserve. Et attendez, on va regarder un truc aussi. Enlever, attirer, puver, engager, déplier, détacher, lever. J'ai toujours pas le truc pour ouvrir. Levé. Non, j'ai toujours pas le truc. Okay. Donc ce qu'on va faire, on va attendez, je regarde un truc. Ouais. Quand tu as une bêtise, là, je sais pas si ça passe là, si c'est. On va aller au niveau du concessionnaire et voilà, oh là, ça arrache un peu là. Alors je ne sais pas si on entend le son du jeu. J'ai pas de retour. Ça doit être par là, je pense. Ouais. Et on va essayer s'acheter la comment s'appelle le ce qui sert en réservoir supplémentaire. Excusez-moi, je cherche mes mots. Acheter. Par contre, j'ai des coups de lag là. Pourtant, j'ai rien de qui est ouvert à part OBS. Je pense pas l'avoir acheté. Alors, ça se fonctionne comment? Ça fonctionne comment? Parce que là, c'est une rallonge en fait. Que j'ai regardé à peu près sur internet, mais j'ai pas approfondi le sujet. Un réservoir supplémentaire pour augmenter la capacité de vos équipements. On va l'acheter. Alors, est-ce que faut ça? Je vais des tels. Ben non. Parce que c'est ça qui l'active, ok. Donc là, non. Je vois ça. Alors, est-ce que. Mais remplir, ok, mais ouais.
mais ça se trouve, je suis à l'envers, ok. Donc ça veut dire faut que je mette mon pulvée, quoi, le réservoir avant et le pulvée après. Je ne sais pas, là, franchement, je connais pas. Je ne connais point. Remplir le réservoir supplémentaire, ok. Ok, donc là, ok. Ouh là là. Je crois que ça fait 12 mois, je crois là. Franchement, je connais pas. Je connais point. Alors, est-ce que ça faut que je le mette devant? Mais j'ai rien devant. Si, ça fonctionnerait comme ça. Ça fait con. Si je fais ça. Attention. Si c'est bon, c'est comme ça. Je viens juste de voir, regardez. Là, je suis avec mon dépendeur en vrai derrière. Et là, ça me fait OK. OK, bon, bah, on va emmener ça à la ferme. Et on va faire une mission rapide. Je suis vraiment désolé, franchement, c'est un truc qui est tout nouveau pour moi. Donc on va emmener ça à la ferme et on va mettre ça dans le ranger bien. Ok, donc là au moins je sais, je me coucherai moins bête, soyez. Moi je mets en vue intérieure, ça bug. J'ai des pertes FPS. Donc là, ce qu'on va faire, on va s'occuper des poules du coup. On va emmener ça. On va décliner tout ça bien. Et en même temps, on va regarder si ça fonctionne toujours. Si ça se trouve, ça fonctionne que devant.
J'ai essayé de le remettre bien. C'est reparti. Essayer de le remplir. Comment ça remplir? C'était ça qu'il nous fallait. Ok. Et derrière, est-ce que je peux le remplir? Je suis à fond partout, donc ok. Donc ce qu'on va faire, hop, on va le mettre là-bas. Et on va aller voir les poules. Donc ça, hop. Les poules, est-ce que j'ai quoi pour les poules? J'ai encore lui. J'ai le godet ou pas? Ouais. Donc, hop, on va ranger. On va le ranger. On va s'occuper des poulets, des canards. On va mettre ça là. Hop, on va prendre le deuxième tracteur. Hop, celui-là. Et on va essayer d'aller nettoyer, voir si ça rentre. Je suis assez content de moi, du coup ça fonctionne. Je voulais le regarder en hors ligne, mais je suis non, bah tiens, hop, je vais le faire en vidéo. C'est de l'autre côté. Bon, alors est-ce que je passe là? De se mettre bien.
passer ça. C'est bon, c'est nettoyé. On met ça là-bas. On va récupérer là, ce qu'il y a aussi là. Ouh là, j'ai pas activé ça. On va emmener ça dans le silo. Normalement, là c'est nettoyé, on va regarder. Ça va sûrement nous faire une petite mise à jour, une petite sauvegarde pour bien aller. Ça va pas en ce temps. Donc par contre c'était les qu'on a fait. C'est vrai qu'il y en a. Ça à la ferme. Et on va regarder aussi les bottes collées. Ouais, j'ai pas regardé. Hein. J'aurais dû regarder.
prenons du F11. Je sais pas ce que ça fait. Donc là, c'est bon. C'est sûrement celui-là. 5 litres. Okay. Ça me met des trucs comme ça maintenant. Ok. Donc les amis, je vous souhaite une bonne soirée. Ma vidéo elle sera à partir de mardi dans la journée sur mon site. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. La vidéo elle aura duré une petite demi-heure. N'oubliez pas de liker et laisser un petit commentaire si ça vous dit de faire autre chose ou quoi que ce soit. Je commence à refaire un peu plus de Wordcraft. Voilà. J'essaie de diverser un peu sur ma chaîne. Je vous dis à bientôt. Comme je vous disais, n'oubliez pas de liker. J'ai un site Facebook, c'est Sébastien89. Et c'est Eurotruck et Farming Simulator. Et je vous remercie bien aussi les abonnés. Qui se sont abonnés en quelques jours aussi. Je reste à votre entière disposition, mais par contre j'ai un projet quoi. J'ai eu un projet qui est tombé de en cours ce week-end. C'est que je suis modo sur une chaîne de Pascal Pascal Agri routier et je suis modo. Donc des fois il y aura pas j'essaie de tourner mes vidéos avant comme ça que je puisse suivre et faire mon rôle de modo quoi. Donc voilà les amis, je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao bye les amis.